Oui, effectivement, ce soir c'était un match de football, un vrai match de football, où on a vu demi-temps, une première, je pense, pour à l'avantage du CSC, qui avait eu l'intention de nous poser des problèmes, de faire sauter notre premier rideau de pressing et puis d'être présent au deuxième ballon. Donc c'est toujours difficile lorsqu'on démarre mal le match de pouvoir rectifier avec l'intensité, avec la concentration. C'était difficile de changer durant cette première mi-temps. Mais je dirais que la deuxième mi-temps et les prolongations ont été à notre avantage. On a été digne de ce que j'aime faire, c'est-à-dire presser, essayer de jouer. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait être patient et calme. Et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'on sentait qu'on avait les moyens techniques, physiques et même collectifs pour aller au bout de cette équipe du CSC qui était rigoureuse, qui avait envie elle aussi d'aller en finale. Donc je pense que le seul regret que j'ai ce soir, c'est que ce stade soit vide. Parce que je pense que ça aurait été extraordinaire, mais j'ai déjà vu des vidéos de Babelouette que je crois est fermée, la Casbah, tout le monde est en feu, et je leur dédie à tous, les supporters et tous les amoureux du Mouloudia, je leur dédie cette victoire parce qu'ils le méritent et ils l'attendaient depuis si longtemps. Alhamdoulilah, quel que soit le scénario, nous sommes wajdin, nous sommes dérin à sabna le collège, et alhamdoulilah, nous sommes le chef de l'équipe et nous sommes l'entraîneur et les joueurs.